J'ai commencé à 11 ans avec l'intention de participer aux Jeux du Québec. Mon frère et mon père m'ont dit « Il y a une place où ce que tous les jeunes du Québec se regroupent pour aller jouer ensemble. » Donc moi, qui aimais jouer, qui essayais toujours d'amener mon frère et ma soeur dehors pour jouer peu importe à quel jeu, j'étais bien, j'ai bien aimé l'idée. Et je me suis mis à jouer au golf car mon frère aîné de 4 ans jouait au golf. Alors on a commencé à jouer ensemble. On a beaucoup de plaisir ensemble. On a une belle relation, frère et sœur. Donc ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai aimé ça. Puis j'ai toujours continué. Je me suis toujours fait dire que j'avais un swing plutôt naturel. Même si j'avais plusieurs détails assez importants à travailler, j'ai quand même eu ça facilement. Mais en termes de frapper la balle, ça m'a pris quelques années avant que je puisse frapper un bon coup que tu le sens. Là, quand après de l'avoir frappé, t'es comme « ouais, ça je sais, là, ta pine ». Mais tu sais, c'était toujours du plaisir. J'allais là, puis je voyais pas le temps passer. Fait que... Le golf est un sport très, je trouve, très challengeant, très difficile mentalement, qui te fait toujours grandir et maturer et t'améliorer dans peu importe ce que tu fais dans ta vie. Je me suis toujours dit que le golf, c'est la plus grande école que tu peux jamais aller durant ta vie. Ça t'apprend beaucoup de belles expériences de vie. Donc, moi, j'aime bien ça du golf. Ouais, j'ai beaucoup de belles expériences, de beaux tournois. Il y en a un, c'est... je suis allée à Bouctouche il y a 2 ans. Ma première vraie victoire, disons, en prolongation, c'était un voyage que je suis allée avec mes parents. Je ne m'attendais pas vraiment à gagner. Il y avait beaucoup de bonnes joueuses, mais personne n'avait très bien joué cette semaine-là. Puis moi, tu sais, ça allait bien pour mon niveau de jeu dans ce temps-là. Donc, j'ai fini par finir première, mais il fallait que j'aille en prolongation. Donc, je suis allée en prolongation, j'ai gagné en prolongation, puis ça a été un des très, très beaux souvenirs de ma vie en golf.